Raconter une histoire dans le dessin, il y a plusieurs représentations. Voilà. Le tatouage par lui m'a toujours attiré. Après, des styles de tatouage m'attirent plus que d'autres. Donc, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, qui ne date pas de 6-8 mois. Et c'est une tortue maori que j'ai dans le dos. Parce que j'ai toujours aimé son travail et c'était l'opportunité qu'ils viennent à Toulouse, voilà, de le rencontrer. Parce que j'aurais jamais pu faire le voyage. Et c'est un rêve qui se réalise, voilà. C'est une amie qui m'en a parlé il y a plusieurs années et depuis je le suis sur Internet. Mais par le biais de ma copine Perrine qui est en train de se faire tatouer par Bernard, par le bouche à oreille, par mon tatoueur, parce que c'est une légende. Oui, c'est pas le premier, j'en ai deux autres, oui. C'était une licorne et je l'ai recouvert. J'en ai 6. J'ai dit à Bernard que ça serait peut-être lui la finalité. Ben déjà, il y a mes enfants, il y a la tortue, il y a tout un symbole, le soleil, la mer. Il y a plein de choses que j'aime particulièrement. Les ancêtres, enfin, pour moi, les étoiles, ça représente la famille et ceux qui sont disparus, ceux qui ont disparu. Ouais. Scène symbolique, c'est pour mon père. C'est l'infini avec les initiales de mon père que je veux ancrer en moi parce que c'est quelqu'un qui est décédé et qui est très, très important dans ma vie et qui a été toujours très important dans ma vie. Oui, forcément, oui. Oui, c'est un engagement, oui, ça va rester à vie. Ouais, totalement. Ça a une histoire. Ils ont toute une histoire, les miens, donc voilà. Il ne faut pas se précipiter. Pas se précipiter et prendre le temps de la réflexion. Carrément, pas faire tout et n'importe quoi, parce que tout le monde fait tout et n'importe quoi maintenant. Les jeunes, ils font des trucs sans aucune symbolique. Il faut y réfléchir, il faut pas écouter le voisin, la voisine, parce que l'un ou l'autre l'a fait, c'est vraiment très personnel. Très, très personnel et indélébile.